Salut à tous, c'est Trunkan et je suis en compagnie de... De ta mère. Exactement. Et du coup tu vas être obligé de prendre une voix féminine pendant 2 heures. Ouh. Bisous. Non, féminine, pas Mickey-in. Pas animal. Et donc on est dans la fac de Galvanier. Hein, ils nous ont attaqués, alors on les a attaqués. Non mais on s'en fout, trop tard. C'est Minotaurès. Non mais trop tard. Salut. Et donc voilà, on est chez les Galbadiens. On était déjà venu une fois quand on était allé voir Martine, n'est-ce pas? Ouais, Martine à la plage, qui nous avait filé la mission de tuer la prêtresse Edea. Ouais. Qu'on n'a pas réussi d'ailleurs. Oui, mais ça, c'est à cause de l'autre. Irvin ne sait pas tirer. Ce qui est dommage pour un tireur d'élite. Effectivement. Et pour ses copines aussi. Mm. Et Linoa donc n'est pas associée. Mais et c'est non. Pas grave. Parce que le lion ne s'associe pas avec le cafard. Exactement. Ah non, c'est juste qu'elle a pris super cher. Ah, il n'est pas Inu. Hop. Vous remarquez, comme d'habitude, que le chien se cale parfaitement sur le lance-boomerang. C'est fait exprès. Mm. Il y a une petite encoche. Le chien s'emboîte très bien dans son arme. Exactement. C'est Brigitte qui est contente. Oh. Brigitte Bardot, bien sûr. Pas Brigitte Lahaye. Oui, ou Brigitte Fontaine. Oh, Brigitte Fontaine, mon dieu. Ah, donc, truc qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, s'échanger, voilà, apprendre autre chose. Donc, oui. Maintenant, on a Selenium. Alors, Selenium, c'est pété, ça rend l'équipe invincible, mais à tout, et même aux soins, pendant 3 ou 4 tours. Hein, c'est pété, on devient transparent, on n'existe plus. Ouais. Donc, le problème, c'est que ça pop jamais. Mais sur le principe, ça a l'air cool. Alors, si ça peut popper, en fait. Comment dire souvent, les limites de l'Inoa, elles pop de façon aléatoire, mais c'est en fonction de la situation. Si les 3 membres de l'équipe ils sont en jaune, ça sera forcément Selenium. Ah bon? Ouais. Là, comme il n'y a pas de danger, là, on voit le chien fuser, quoi. D'accord. Alors, ça va être très très chiant parce que c'est un labyrinthe en gros. Mais c'est un labyrinthe à la Dark Souls, c'est-à-dire que tout est relié. Donc on va bien s'éclater. Fermé 1, fermé 2. Bon, donc c'est pas par là, c'est de l'autre côté. Est-ce qu'on pourrait pas se mettre en mi-combat? On va perdre du niveau seed. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est toi, chaque fois tu dis ouais, le seed et tout, c'est super important, machin. Ouais, enfin en même temps, il y a les questionnaires pour remonter. Et le pognon, c'est clairement pas. Le problème, c'est que les questionnaires, une fois qu'on les a fait, on les a fait. Hein. Ouais, mais bon, pour monter, pour prendre 3 niveaux, tu fais un questionnaire, voilà quoi. Comment t'as l'étage? Pendant que le chocobo fait sa vie, encore une fois. Oh! Oh putain! Monsieur, on continue et tout, faut qu'on en termine, vas-y, va, tranquille. Non, j'en ai marre! Vas-y, c'est fort, on en a assez, c'est pas marrant pour nous, t'as vu, on comprend rien et tout. Monsieur! T'étais pas comme ça avant. Monsieur, ouais. C'est fort, ne renoncera pas, non, plus maintenant. Je vois. Monsieur, tu vois quoi? Laisse tomber. T'as vu, tu vois quoi? Alors, voilà, ça c'est par là. Donc, merci pour votre intervention. c'était primordial. Ouais, clairement, ouais. Ah, monsieur. Oh, tu joues aux cartes? Ne me fais pas de mal! Yamete. Ils ont fait irruption pendant les cours, quelle panique! Vous venez pour affronter la sorcière? Tenez, prenez ça! Le pass niveau 1! Il y a 2 autres élèves qui se cachent quelque part! Ils ont aussi des cartes magnétiques comme celle-là! Ces passes permettent d'accéder à la zone interdite, avec Emmanuel Chin et tout. Bonne chance! Et Mélis Satorio? Je ne sais pas. Je sais pas, ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé Zone Interdite. Bah, la dernière non, parce que c'est Guy Lagache maintenant. Guy Lagache. le roi de la brioche. Exactement. Quoi? Que vous pouvez retrouver au festival de la saucisse de Morteau et du vin rouge de Meugin. Très important. Quoi? Et à jouer sur la reine et à bourrer les rois. Quoi? Donc on va pouvoir ouvrir la porte qui était fermée. Qui était fermée par un combat. Et donc on vous a pas demandé, mais on espère que vous allez bien. En vrai, on s'en fout, mais. Mais non, moi ça m'intéresse. Bah pourquoi t'as pas demandé alors? Bah, comment allez-vous, cher audience? Comment vas-tu? Prends ton temps pour répondre. Marine, Laika. Dans les commentaires, n'est-ce pas? On voit Marine en orbite. N'est-ce pas? Ah non.
Et le petit sucre, n'oublions pas l'instant sucré, l'instant bisou, bien sûr. Quoi? Quoi? Mes amis, je suis totalement perdu. Il m'a complètement perdu avec cette dernière réplique. Mais elle lui donne un petit sucre. Ah, d'accord. Eh ouais. Ah, Léviathan. Oui, oui, c'est pas la peine de crier à chaque fois qu'il y a un truc, je les vois. Ah, ah, m'entendez-vous? Moi, j'ai la résolution de base du jeu. Hein. Je suis pas obligé d'agrandir la fenêtre. Ah oui. Donc, Léviathan. Léviathan. Que niveau 19. Oh. Thérapie G-Force, on s'en branle. Arnica, par contre, c'est super cool. Bam. C'est voilà, remède. Je te demande même pas ton avis. Mais on l'avait déjà dit. Ah bon. Ou vert. Hein. Ou rouge. Ah mon dieu. Donc... on va se faire attaquer par des Canadiens. Mais oui. Ils vont arriver à me faire tabernacle. C'est pas ça que je voulais faire, Vite, association feu. Non, ça je m'en branle, c'est pour clairvoyance surtout. Ah... Non, de toute façon, tant que Lino est en limite... Ah oui, pour la source là-bas. Elle casse quasiment des gueules à tout le monde. Avec ce... en lançant son chien. Et elle casse des culs aussi. C'est vrai. Zelle, bam. Crepasso. Voilà, la patinoire d'Anier Gennevilliers, pour ceux qui connaissent. Exactement. Ah oh, je suis comme ça. Ouais. Mais tout se ressemble. Bonjour, monsieur. Et tout s'assemble. On peut rien faire contre eux, t'es notre dernière chance. Obi-Wan. Hop là. C'est notre dernière chance, Obi-Wan, qui est nos squales. Et oh. Là, normalement, rien du tout. Mais est-ce qu'on est à peu près au même endroit qu'au début ou... Je sais plus. C'est... Oui, je crois, oui. Non. Mais on a traversé toute une patinoire. Donc non. Tu vois ce que je veux dire? 614, putain, ça commence à piquer. Qu'est-ce que c'est? Oh non, arrête, ça va se voir. Un jour, faudra remplacer cette musique par la musique de Royal Canin. Non. Non. Ah, pour l'instant là, moi je regarde le plan sur la Solus. Et moi pour l'instant là, je tourne les manivelles. il assume pas. Non, je fais même plus attention, moi. Ça y est, c'est fini. Il ne relève pas. Oh. Et donc on est arrivé là où on était. Eh mais ouais. C'est pas logique. Mais on s'en fout. Non mais. Non, et là la porte 2 elle s'ouvrait. Et là, non mais c'est pour montrer que voilà. Non, la porte 2 c'était celle du fond. Ah non. C'est celle du fond. Parce que là il y a rien. Connard. Mais je te l'ai dit pourtant. Mais écoute pas. Oh, mais le mec. Mais putain, repasser la vidéo. Donc on va faire un petit coup de sauvegarde, si on meurt ça va être chiant. Ouais. Non, et sérieusement, bon, je vous le demande pas souvent de participer dans les commentaires. Ah non, ça c'est sûr. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Dites-le moi. J'ai vraiment dit la porte du fond. Hein. Et donc normalement, il faut monter par là. Dites-le moi. Oh mon dieu. Ah non, c'est pas des échelles. Attaque surprise. Coco. Voilà, ça c'est fait. Je pense que ça a calmé tout le monde, 816, et des brouettes. J'ai pas vu les brouettes. Ah mais c'est parce qu'il y a que lui qui les a sentis, les brouettes. Et t'as volé des étoiles. Ouais, c'est pour Yuffie. C'est poétique. Mais là, c'est astronomique. Oh. Ou astrologique. Oh. Nazi. J'aime bien ta retenue. Non, encore. Il est temps de prendre des décisions pour ce let's play, quoi. Merde. Cela ne peut plus durer. Le point Godwin était présent dès le premier épisode, si je me souviens bien. Justement. Justement. Calmons-nous. Après, on va voir PETA sur la... Ah bah non, ça n'a rien à voir. Mais moi, je ne sais plus. Attends, et là... Excuse-moi, mais ça, c'était... Ah non, bah non, je suis désolé, mais non, ça n'a rien à voir. Si. Ah non.
Seulement, si toi, tu associes d'une manière dégueulasse plusieurs thèmes qu'on ne veut pas aborder ici. N'est-ce pas? Alors, voilà. Hein? On va monter, encore. Parce que moi, j'adore quand ça monte. N'est-ce pas? Alors là, il faut le pass niveau 3. Ah non, c'est bon. Parfait, c'est le bon chemin. Waouh! Eh ouais! Et donc, si on va là, c'est ouvert. Y a une source! Et bam! Une source! Oui, mais on y retourne. Mais c'était pour montrer que tout est lié. On est dans Dark Souls. Oh putain. C'est-à-dire que la zone, en fait, tu crois qu'elle est fermée, mais non, en fait, tout est relié entre eux. Bon, les blindages, hein, je crois qu'on a ce qu'il faut maintenant. Ouais, enfin, c'est pas Dark Souls qui a inventé les zones liées entre elles. Hein. Ta gueule. Oui, mais qui va se rappeler de... Voilà, hein. Ouais, tu dis Dark Souls parce qu'en ce moment, il y a Bloodborne et que c'est la hype. Je te vois venir, cet argument fallacieux et dégueulasse commercial à souhait. Mon dieu. Bloodborne, c'est naze, jouer à Dark Souls. Mourez. C'est rigolo. Mais pas en vrai, hein. Bah non, c'est moins rigolo en vrai, c'est sûr. Mm. Des ondes bénites. Donc on vole plein de trucs qui servent à rien à part pour crafter des magies. Qui vont nous éviter de farmer 10 ans. Ce qui est pas plus mal. Parce que j'ai pas envie de farmer 10 ans. N'est-ce pas? Pendant qu'on prend des niveaux. Ah, il est possible de finir le jeu au niveau initial, mais c'est chiant. Alors là, je crois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. De toute façon, ce mur est en diagonale. Ah ouais? Ah oui, c'est super bien foutu. Hein. C'est un mur à la Resident Evil. Alors ici. Oh mon dieu. Rappelez-vous, hein, c'est là qu'on avait Fujin et Redin étaient en haut, nous avaient dit « connard » et tout, ils nous avaient alpagué. Interloqué. Donc au milieu, oh on va dieu. Pas y aller. Un serpent. C'est ça. C'est un serpent, effectivement. C'est le Midgar de l'homme. Oh non, putain. Pas lui. Et donc voilà, là c'est les ambiances avec les ennemis relous. Ah, oh, des berserks. Mais on a vu à la dernière session qu'ils faisaient pas si mal que ça. C'est bien ça, c'est un berserker ou un truc comme ça. Oh, je sais plus. En faisant select, tu peux voir le nom du mec. Ouais, effectivement. Si, quand tu fais attaquer. Ouais. Mais si. D'accord. Mais select, ça fait ça. Ça fait disparaître la map. Ah oui, c'est vrai. C'est quand t'envoies une GeForce ou une magie, un truc comme ça, quand t'as une incantation, tu peux le faire. Point, 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 point. Ah, il a rien à voler. Enfin, il a plus rien à voler, j'imagine. Je joue tellement en mode AFK que. Des rafales à voler. On va voler des rafales. Oh, comme l'Egypte. Comme ça, on pourra les revendre. Ah oui, comme elle a gagné un niveau, du coup elle est plus dans le rouge. Ah, c'est la baise. C'est complètement la baise. Mais lui un aura. C'est, t'as raison. Faut que ça coûte. Ah voilà, voilà. On va pouvoir lui lancer Marine. Ah oui, n'est-ce pas? Et là, va balancer ses limites. Hop, let's play de Fanta. Marine Laika. Ouf, n'est-ce pas? Ça va faire super mal au chien. Alors ça, c'est dangereux. Voilà. Oh, ça va piquer. Dangereux 230. Bon, il a oui, une bonne. Oui, mais bon, voilà. On va augmenter un peu les dégâts parce que là c'est chiant. On est encore au moment où les invocations font plus mal que nous. Si on les met en turbo, donc on en profite. Mais bon, ce sera vite plus le cas.
Dès que le chocobo nous aura bien rempli les poches, on sera tranquille. Bien évidemment, normalement, si vous n'avez pas le chocobo world, il faut farmer 10 000 ans pour avoir les magiques, les stats adéquates. Ah bah il est mort. Soit farmer, soit transformer les ennemis en cartes pour. Ouais, mais si tu transformes les ennemis en cartes, tu prends pas de niveau. Eh oui. Mais tu récupères des magies d'objets. Oui, mais tu prends. Pas des objets transformables en magie. Tu ne prends pas d'XP. Oh l'autre, t'es le chien, il l'a heal. Ah, tu vois que c'est pratique. Ouais, ouais. En plus, c'était Marine Shepard. C'est Mass Effect. Eh oui. C'est Corporate. C'est magnifique. Petit aparté, quand il a dit il est mort, il parlait du chocobo. Hein, quoi? Non, mais pour ceux qui suivaient pas. J'ai pas dit il est mort? Si. Non. Si, si. Non, mais dans les commentaires. Eh, mais putain! Réagissez sur les réseaux sociaux. Non, mais je parlais pas du tout de ça. Ah bon? Si j'ai dit il est mort un jour, ça avait rien à voir. Ça avait... Je ne regarde même pas la truc du chocobo, j'en ai rien à branler. Il fait sa vie. Moi, ce que j'attends, c'est qu'il me donne des objets quand il a fini. Ouais. Il est mort. Mais non, il dort. Je vais te taper. Viens. Fais 500 km, là. Allez, viens. Allez. Carte Berserker, génial. On va pouvoir la vendre. C'était... Tu vois, c'était Berserker. Et ouais. Ouais, c'est possible. Et il n'y avait pas une sauvegarde, là, juste à côté Si, elle est derrière, le serpent. Mmh. Bon, ici, on s'en branle. Y'a personne qui joue aux cartes ici. Salut. Salut. Voici le dernier pass. Comment tu sais que c'est le dernier que j'ai récupéré les deux autres avant? Cette carte magnétique déverrouille l'ascenseur. Et puis c'est un RPG japonais. Monstre de la sorcière se trouve au dernier étage. Non mais tu sais, c'est comme dans Metal Gear Solid, les cartes elles changent de couleur et tout. Heureusement que c'est pas la même. Va la mettre dans un endroit chaud. Non, pas là. Et vous là? Oh là, ça y est, ça commence à être trop labyrinthique là. je comprends plus rien. Moi. Non, t'as fait là. Ah oui, c'est en haut. Ah, la fac de Galbadia, c'est compliqué. Hein. Donc le point de sauvegarde qui est ici. Il y en a un autre à l'étage supérieur aussi. Hein. Ouais. Mais on peut le voir qu'avec clairvoyance. Oh non! Oh, ils sont relous, mais je crois qu'ils ont des magies cool. Non, en fait, non. Il y a quelqu'un qui est associé en cécité, donc... Oh, mais j'en ai rien à branler. Moi, je veux qu'ils me pourrissent pas ma team. Parce qu'eux, ils peuvent. Parce qu'ils font des... Je crois qu'ils ont des trucs à base de cyanure et tout, c'est génial. J'adore. Twister! Mets ta main sur le bleu. On a déjà fait. Oui mais c'est toi et voilà. Ah. J'ai le droit d'en faire aussi des vannes pourries. Voilà, bon, j'espère les chiens à trois têtes, je suis comme ça. C'est mon côté Clara Morgan. Je pense que ça l'a un peu calmé déjà. On va lui en mettre un coup. Alors une fois la CD2 terminée, on n'aura plus vraiment à voler de GeForce. Mis à part une bonus qui voilà, elle va être coton à aller chercher. Mais après il faudra juste en affronter. Ce qui est pas forcément mieux. En général, elles se défendent bien. Ah oui, donc voilà, ils mettent poison. Ouais. Voilà, donc on a fait le vent, le feu, la glace. C'est pas mal. Il manque plus que Charlie et Lulu. Hein. Effectivement. Putain. Allez, en forme hein. Mettez-lui des pouces. Non, s'il vous plaît. Ça fait mal. Je sais pas. Alors, je crois que ça fait mal. Eh.
Voilà, je savais bien qu'ils avaient un coup dégueulasse. Aïn, sauve-nous. Oui, n'est-ce pas? Oh, Marine l'a tué. C'est beau. Du venin. On est dans Batman. Donc tout ça pour aller sauvegarder quand même à la base. À la base de la base. Est-ce que tu la cures ou pas? Oui. Oui, parce que 400 points de vie, elle va se faire one shot. Ouais. Ah non, mais si. Si. Parce que là en fait, bon, le truc qui se balade au milieu là, c'est Cerber, c'est une invocation et il y a de grandes chances qu'il commence le combat par Quake. Voilà. Qui fait genre 1000 de dégâts, enfin voilà, c'est rigolo. Qui était un super jeu des années 90. Oui. Donc, Red Cross, est-ce que j'ai pas un truc qui fait tout? Non, j'ai pas un truc qui fait tout, c'est la dèche. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut, alors déjà, il faut rappeler le chocobo. Voilà. On va tenter comme ça, déjà on va sauvegarder une fois. Oui, parce qu'on aime bien la Belgique. Oh putain. Retour. Quoi, voilà. Il y avait que ça? Ah oui, mais il s'en est... je l'ai pas fait tourner depuis la dernière fois, t'énerve pas. Ouais, mais il y a moyen de le faire... Non mais il est sur la trajectoire optimale pour avoir les objets, donc... Mais c'est surtout, ça fait une demi-heure qu'il tourne, c'est pas beaucoup. Non mais c'est pas ça, mais la dernière fois, tu sais, on avait réussi à faire glitcher le chocobo, qui nous donne tout le temps les mêmes items, etc. En off. On avait dit qu'on le dirait pas, mais... Je me rappelle pas. Non mais je me rappelle vraiment pas, pour le coup. Non mais je sais. C'était il y a 8 mois, un truc comme ça. Et il y avait une technique qui permettait justement de faire en sorte que le chocobo te donne tout ce qu'il avait récupéré, sans sauvegarder, tu récupères à nouveau les items, etc., etc. Ah oui, mais par contre, en fait, ça marchait pas à l'infini. Ah ouais? De mémoire, ouais, ça marche pas à l'infini. Mais une manivelle. Oh. Backlash qui est un truc de furie, je crois, ou c'est pour la... Est-ce qu'on a des plumes de chocobo, surtout? En théorie, oui. Si on en a pas, on est baisé. Range par classe par alphabet, au pire. On a un chocolégume. On peut pas classer comme on veut. Chocolégume. Bon. Classe par alphabet. C'est Final Fantasy VIII, hein. C'est pas Skyrim. Ouais. Mais non, mais c'est une plume de chocobo pour invoquer pas le chocolégume, non? Non, non, c'est un chocolégume. C'est vrai? Ouais. Y a pas de plume de chocobo. Ah ouais, d'accord. Ah, on est super chiant et on n'a pas le temps de lui voler des trucs parce qu'il va nous casser la gueule. On joue pas au même jeu. Let me and GeForce. Prenons-la. Quelle arrogance. De simple mortel. Il a la même voix que moi. C'est pété. Ah oui, puis j'ai mis la musique des boss de Dissidia aussi. Alors, on se dépêche. On se dépêche. Et si on peut lui mettre aussi un anti-sort à Cerber, parce que sinon ça va être chiant. Allez, défonce-lui la gueule, s'il te plaît. Casse-le en deux. Sinon on va souffrir. Oh mon dieu, un terroriste! Oh, on est reparti! Heureux au fait, hein. Ah non, mais les gens ne vont même pas s'en rendre compte. Oh là là, mais le mec qui sabote tout le travail. Ah. Ok, donc Cerber est chiant. Est-ce que ce coup-ci on va... Ninja Force! Le prenons-là! Oh, quelle arrogance, blablabla. Le simple mortel. La bise, elle a la même voix que moi. Ouah, ce coup de queue. Oh, on va juste le piller pour voir. Ça laisserait rêver. Et balancer une aura sur Squaloo, parce que c'est rigolo. Voilà, impossible. Ouais. Oh, il a qu'un seul truc. Oh non, pas Fury. Alors, mais t'es qu'un fils de pute. Oh. En 300, hein. Ah non, on va lui mettre un Ezuna dès qu'on peut, hein. Oh, coup de queue. Je
Funk. Ouais, qui la gâchette. Quoi? Anti-sort. Oh putain, il s'est mis triple. Oh le bâtard. Donc triple, là, il va attaquer, il va faire 3 magies à chaque fois. Oui. C'est génial. Il faut lui faire anti-sort pour le libérer, mais je viens de le faire sur l'Inova pour lui enlever la furie. Ah oui, mais c'est pas ça, évidemment. Non. C'est zoné. Faut les zoner. Non mais quand tu sais pas un truc dans le jeu, tu me demandes. T'es gros bâtard. T'es. Le mec, il savait même pas qu'il y avait plusieurs Renzokuken différents en fonction des ennemis et tout. Ah bon? Là déjà, je vais en faire 2 différents. Ah t'as mal, hein, tu souffres. Ah oui, moi aussi. Et l'anti-sort... Bah l'anti-sort, on verra plus tard. On verra plus tard. Parce que si je peux le tuer avec un coup, là, ce serait bien. Oh là là... Mais bah, anti-sort, voilà, anti-sort. T'as bien l'anti-sort, Squall. Il est plus en aura? Bah non. Bah le problème d'aura, c'est que ça dure pas longtemps. C'est ah ouais, hyper mais... aléatoire, la durée. Il me semblait pas que ça durait que 2 tours, quoi. Ça dépend. Des fois, ça peut durer 5-6 tours, et des fois, ça dure 2 tours. Ah, la RNG dans les jeux vidéo. Ah, c'est affreux. Bon, est-ce que ça va crash? Je pense pas. La RNG random. Non. Évidemment. La RNG random. Oui, j'ai entendu ça l'autre jour, j'ai tiqué. J'ai entendu ça, ça m'a fait... Ah, ça veut dire random. Montrez ce dont vous êtes capable. Bon, déjà, il est pas content. Pardon. Sur Squall. Mais non, mais pourquoi l'autre folle, quoi? Mais c'est pas plus mal, parce que comme ça, Squall, il peut se mettre... on peut lui mettre aura. Ouais, et il cassera des gueules. Normalement, il est presque mort, là. Intéressant. Yes. Merci, Linoa, d'avoir mis le coup de grâce en furie. Voilà. Putain, mais tu lui as pété la gueule, en fait. Bah, merci le Renzokuken et le Chocobo. Mais je t'avais dit, j'avais trouvé une bonne... un bon truc pour le faire. Donc, Kelubelus qui est pété, parce qu'en fait c'est pas une invocation qui fait des dégâts, mais il va mettre double et triple sur tous les alliés. C'est complètement craqué du cul. Donc Ifrit, t'as vu, en plus je suis même les trucs, alors attention. Madorosho, alors ça je crois que je sais plus ce que c'est. Genre le... La, le merde. On a, comme l'attaque du DK je crois. Je vais me renseigner, écoute. Bon, on va le prendre, c'est que 60. Deux petites secondes. Non mais c'est que 60, de toute façon on a bientôt un boss. Mais qui spoil et tout. Défense. Alors ça, défense, c'est ce qu'il y avait dans d'autres FF en fait. Ça permet de défendre pendant un tour. C'est pas forcément hyper intéressant. Ouais. Empathie par contre, ouais non. On va mettre HP plus 40. Nos combats est à moitié, c'est cool. Ah Mad Rush, c'est booster, furie et carapace sur tout le groupe. D'accord, donc on s'en servira jamais. Mais oh. C'est bien de l'avoir. Ça peut être intéressant. Hein. Et on va prendre prudence. Parce que c'est long et c'est pour bloquer les attaques par le cul. Prudence, comme la femme de chevalerie dans l'assassin royal. Ah non, pas l'assassin royal. Tu connais pas. J'ai 8 tomes. Ah bon? Mais bien sûr. Fitz chevalerie. Mais oui. Mais bien sûr. Mais moi j'ai pleuré. Ah bon c'est vrai qu'il est... Ah, c'est moi, j'en suis encore que la première période, j'en suis au tome 2 de la première période, on va dire. Ah bah tu vas pleurer. Au moment où Royal est au pouvoir. En fait. Ah ouais, tu vas pleurer, ouais. Tu vas plus pleurer que devant Lucie, hein. Lucie, Amour et Rock'n'Roll. Non, Lucie. Lucie, le film de... Oui. Et donc c'est surtout super important, on sauvegarde.